Au 21e siècle, faut qu'il y ait des preuves pragmatiques que j'ai été toujours dans mon combat vestimentaire. Mmh. En 2004, héritier de Nesquense est parmi les premiers sapeurs qui ont été reconnus dans un grand mensuel francophone international. Vendu partout dans le monde entier. Confirmé par Ziad l'Imam. Mmh. 2004, les archives sont là. Mundele a changé un livre, Mogona Badjibur Lississé. Yangoyo, très jeune. Mmh. En 2004, livre Mogona Badjibul Sissé, bah Naomi Campbell, bah elle hommage président gabonais, que son âme repose en paix. Aux autres gangaï, bah tiens un livre Mogona Badjibul Sengo. Héritier de Nesquense. Aux autres on parle niango, bah Charlize Theron, Madiba, l'actrice sud-africaine. Donc moi je parle avec des preuves. C'est pas de recevoir quelqu'un qui est inapte des arguments dans l'argumentation, comme Kevin de Bordas ou de Bordeaux. Et à ce moment-là, il veut parloter sur des choses qu'il ne maîtrise pas. La première des choses, à son âge, monsieur, Kevin Desperado, c'est pas Desperado, je ne sais pas s'il est né au Mexique ou en Espagne, ce qu'il doit faire dans sa vie, ou ce qu'il devrait être une fois dans sa vie, Fala Zalata, porte-parole à Bantu de la capitale. Porte-parole, hein? Bantu de la capitale, parce que Azali Moutaba, troisième âge. Alors que l'impoli de Segra a une génération aussi. Il a des amis qui ont grandi. Il a des amis dans le milieu musical. Donc, Atika place où on a même, dans mon Ninga Segra, au Bakolan et dans mon Soubassala de Pitonaï. Kofi Mabete. Tous ceux qui ont quitté ou qui ont commencé la musique, les musique et à faire ego les autres, c'est parce que à côté d'une étape à critiquer Werason. À finir Werason, à saler les écoutes Nzembo, ou à zoom Moutumoro, à Sosia, Wera, à tirer un clip. Faire les autres, il faut reconnaître qu'il avait osé à Salara Mouzoba. Les autres, on a lundi, de tout coup, Babaleki. Ils ont reconnu que le petit là, monsieur Héritier a raison que non, c'est un mal né de la nature. À finir de tout coup, Babaleki, il faut retirer ma image. Pourquoi tu vas comprendre que Bino va chroniqueur Oyo, vous êtes au centre du village, bonjour Salamou Salabie. Au fait, moi, je suis Dukopa, Bana Oya Dukopa, on a la tengue, on a c'est Shadrach Mvuluzi, et ça, Walo Bosu, nous avons un bon awas, un grand chanteur au Saranate, très poli au Saranate, on a tengue, comment on appelle, Priska Sidjak. C'est quoi Priska Sidjak, oui, depuis c'est Mbote Jack, mais. C'est quand Karl a outi tout droit en école, il y a Rumba, il y a Dodo Copa de Miamor. Il n'y a pas d'ignoré. Mais si on a outi droit en école, il y a Dodo Copa. Il y a plus d'opportunités. Il y a un moment pour le leader côté Outa. Mais a manqué leader. Il y a un moment prisonnier il y a Dodo Nengenite. Il y a fait un grand prêtre, il y a un jeune homme à la porte du paradis que je salue. Mon conjoint sala à sa manœuvre, il y a un sabre, il y a un Nengenin. Africa Uni Télévision, une longueur d'avance. Christelle Massoconel est là. Christelle Massoconel est là. Africa Uni Télévision, une longueur d'avance. Christelle Massoconel est là. Christelle Massoconel est là. Africa Uni Télévision, une longueur d'avance. Christelle Massoconel est là. Africa Uni Télévision, une longueur d'avance. Christelle Massoconel est là. Vitesse la vitesse. Christelle Massoconel. Voilà, mesdames et messieurs, c'est vraiment un grand plaisir de nous retrouver une fois de plus dans cette émission, surtout dans notre chaîne Africa Uni Télévision. Bozake Bélé, Bolanarabi, partout dans le monde. Boza vraiment Bélé, Botika la connecter. Et le Kaliboso Tangozota là, fais un effort de t'abonner. Abonne-toi à ta chaîne Africa Uni Télévision pour que Zangaka News te. Mikolo Mamoyo Kende Mangou na niveau Moko Boido, si on rate news, au commun arrêté à l'information. Les lots aux héritiers de Nesquense, pour Betanima Solo, ma femme pour Betanima Solo. Ils ont le devoir d'abuser pour remercier Batou nous pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Na 6 fois boss, le boss Ben Mouduma, 6 fois boss, l'homme qui a sauté l'égoïsme. Boss, en tout cas, merci beaucoup. Nayo. Merci à C2J, David Mouduma, depuis les États-Unis. Merci beaucoup à celui qu'on appelle l'aigle de Visapolo. Ah, le vieux Freddy Makita. Mais en tout cas, merci beaucoup. L'aigle de l'Amazon. Le vieux Freddy Makita, l'aigle de l'Amazon. Moteno Pene Bele, merci à Ozo Sala. Et c'est la Pene Kitoko Makasi. Il y a aussi une autre personne, Oyo, l'élevon a pèsé Pene Merci Bele, parce qu'elle a nangaï depuis les États-Unis. Le vieux Yvon Gomez. Ah, américain, tant
tongo. En tout cas, vieux, merci beaucoup pour l'encouragement dans la chaîne et la peine qui tourne ma casse. Tous les héritiers de Neskens, héritiers, bonjour. Bonjour, Christelle Massouak. Christelle Massouak. Héritier de Neskens, en forme. Toujours. Toujours. C'est dans nos habitudes être en forme, être en bonne santé. Quand Dieu est avec vous, rien ne peut passer comme le mal. Donc, on a vraiment hyper en forme. Héritier de Neskens, en forme. Moi, je suis un peu plus de Ah bon? Yom to go informé nga ibino ba pandisango mais bino ba pandisango yom to go informé nga ke moto pe informé yo et otali ka caméra moi mon ba téléspectateur ba zotala yo siko non mais en tout cas chers internautes chers téléspectateurs match est bien match est propre et lo mo na roloba na bino na minute je suis venu juste pour répondre ce porte-parole papa pour nous faire comprendre que Aza d'abord papa, mais nous allons faire comprendre tant qu'il y a une intervention, il faut que la génération ni ni Aza ou ça la intervention quoi. Makambo on a évité Makambo. En tout cas mesdames et messieurs, tant que vous avez siko na vidéo, abonne-toi et surtout joie kaka liwana partager na baninga mususu pena et ça la pena kitoko makasi. Écoutez de Neskens. Ah! J'espère que tu as suivi Mutu Oyo to Yambaki l'émission na biso. Kevin Desperado. Alobi trop pour na yo, j'espère yo moko yo ki makamba lobi. Je ne saurais pas tout reprendre yo yebi. Je sais pas yo le balin par rapport nango avant que tous les gars makamba susu isa très important. Bon, moi je pense que monsieur Kevin Desperado, j'ai compris son souci. Ce qui m'a fait pitié, c'est que quand j'essaie un peu de voir son âge, j'ai analysé, il a plus de 50 et quelques ans, plus de 56 ans. Mais vous avez la porte-parole à mon amour qui est né dans les années 1990, il a déjà faiblesse mon de son côté. Même la spiritualité n'a jamais autorisé cela. Lorsque vous venez. C'est spirituel, la spiritualité. La spiritualité n'autorise pas cela. Je sais comment. Et je sais pourquoi je le dis. Vous savez, lorsque vous êtes en face d'un artiste musicien impoli, qui est là à invectiver les autres, les ayants droit, moi je pense qu'il faut le recadrer toujours. Il faut l'apporter les conseils. Ne viens pas pour affirmer des choses mensongères d'où tu n'as même pas la maîtrise. La première des choses, à son âge, monsieur, Kevin Desperado, c'est pas Desperado, je ne sais pas s'il est né au Mexique ou en Espagne. Ce qu'il doit faire dans sa vie, ou ce qu'il devrait être une fois dans sa vie, Falaz Alata, porte-parole à Bantu de la capitale. Porte-parole, hein? Bantu de la capitale, parce que Azali Moutaba, troisième âge. Alors que l'impoli de Segra a une génération aussi. Il a des amis qui ont grandi. Il a des amis dans le milieu musical. Donc, à la place où on a même, na moninga segra ou bakola netang musuba sala depitonaï. En tout cas, sa jugeote est remplie de fariboles et de négativité. Mais il a dit, toi tu ne sais pas parler. Il faut y banan boloba avant les canaux télé, l'obitron pour naïo. C'est un langage bidon. Bidon comment? Moi, une fois, j'étais à son âge, j'allais parler comme un sage. J'allais raisonner comme un professeur de l'université. Na place, il y a cerveau na yena iko comprendre que bacha fufu na kachi. Parce que tout ce qu'il est énuméré là, tu comprends que le monsieur Batinji était. Mais il veut juste faire plaisir à son petit qui est Segra, l'impoli, qui vient de porter la casquette de la 25e heure, une casquette qui est réservée des impolis dans ce pays. Jésus-Christ, quand il était sur la croix, vous avez vu les petits enfants invectiver Jésus-Christ? Ceux qui ont crié, ceux qui ont insulté, invectivé Jésus-Christ de Nazareth sur la croix, c'était les grandes personnes. Vous comprenez? Par là, qu'est-ce que tu veux dire? Explique un peu ce que tu as dit là. Na lingi ko lobana yo boye. Ceux qui ont moni mwana muke azofinga mukolo, yo mukolo oyaka po kote la ete. Na proféré tinda ndeko ne ya âge. Moko, il y a une génération qui est à côté là. Alors, il y a un argument méthodique, déséquilibré. À ce moment-là, M. Kevin est considéré comme un désœuvré de la jeunesse. Il ne maîtrise rien dans ce combat musical.
il n'a pas l'expérience. Mais il n'a pas l'expérience. Si il a l'expérience, c'est un ancien dans la musique. Il est ancien. Il est ancien. Il a managé pour qui? Il a été le porte-parole de qui? Il a travaillé avec Trésor Mvula. Il a travaillé avec Trésor Mvula. C'est pas lui qui a contribué à l'émergence musicale de Trésor Mvula. Mmh. Trésor Mvula est né musicien. Et... il a ce don-là, Azana, don musical. C'est pas lui qui a fait de Trésor Mvula. Que les loyers banana pour faire dans le belana vieux Thomas, ce qui est Thomas, où il a contribué à moi, gaz, moko buzz, impact, penagacha clip à Trésor Mvula. Il ne peut pas jouer avec les petits, il doit affronter les grands. Il y a des musiciens aujourd'hui qui sont en train de nager dans une piscine bourrée du sable. Ils sont nombreux. Il faut un manager à travailler dans Batouana. À Kinshasa, il a travaillé avec qui? Parlons d'abord des deux capitales les plus proches au monde. Commençons à Kinshasa parce que Kinshasa est plus vaste que Brazzaville. Il a travaillé avec qui? Au Congo, Brazzaville. Avant 80, les années 1990 et au sortir de la guerre du 5 juin 1997, il a travaillé avec qui? Ça, c'est une escroquerie culturelle qu'il a entre eux de jouer sur ce petit-là. Ce petit-là, à l'heure où nous parlons, il est mal barré parce que la haute classe de la musique, les hauts sommets, ceux qui détiennent la clé de la musique, ont compris que non, le petit c'est gras, c'est un impoli. Maintenant, lui, il viendra pour jouer sur quelle intervention? J'ai écouté son français. C'est un petit français qui est réservé au menuisier. Lui, il a balbutié même dans son langage. Il n'a pas impressionné les gens. Ce qui est malsain, c'est quoi? Voir quelqu'un comme ça, na ajouana, tata. Bah, Wendo, bazalagat. Fala zalata porte-parole, Wendo. Bah, pamelo, mouka, bazalaga, wati. Tango, pamelo, mouka, zo. Yem, bazo, salaba, gaz, ba, mascotte. Bah, Yulu Mabiala. Akoukaye, zalata, petit, Yulu Mabiala, zala, communique, petit, Yulu Mabiala. Vous comprenez? Et il a développé des choses où il ne connaît pas l'histoire. Quand tu parles, quoi, Mungalito, eba, dada. Moi, je suis né à Mongali, grandi à Mongali. Très bien. Vous comprenez? Très bien. Il ne connaît pas l'histoire de Mongali. Il a été mal informé. Ok? Très bien. Mongali, quand il y avait des dadas, mais héritiers de Neskens étaient à côté. Parce que celui qui a vu le père, il a vu le fils. Moi, je fais partir des acolytes, des adeptes de Djamene Saint-Jean Dada Pouré en termes de la communication. Vous comprenez? Donc Dada Pouré, c'est quelqu'un qu'on a fait même le succès ensemble. Mmh. Il a commencé le succès. Nous sommes venus pour sécuriser même son succès. Donc il doit se renseigner. C'est quelqu'un que j'ai dormi avec lui sur un même lit. Héritier de Nesquinze, je suis le sapeur le plus célèbre de ma génération. Très bien. Ok? Je suis une célébrissime très profonde de ma génération. Il n'y a pas un sapeur à Brazzaville qui est plus célèbre que moi. Ça, c'est reconnu de tout le monde. Héritier de Nesquinze, quand il parle de Norba, c'est là où je comprends que c'est aussi un homosexuel. Parce que ceux qui ont l'habitude d'accepter souvent Norba, c'est des homosexuels, ou c'est des complexés, ou c'est des innocents, ils ne connaissent pas l'histoire de la sapologie. S'il faut parler de la méritocratie vestimentaire ou sapologique, on ne peut pas parler de Norba, parce que Norba, c'est un quinois d'en face, c'est un frère d'en face, grandi ici. Il était ici, il n'a jamais été sapeur dans sa vie. C'est en France qu'il est allé falsifier l'histoire de la sape. Monsieur Quevin a droit de me consulter pour que j'essaie un peu de le former. Dans ce combat vestimentaire. Donc ici à Brazzaville, Norba n'a pas les sites d'amour. Il n'a jamais été reconnu sur le plan sapologique ici à Brazzaville. Norba n'a pas de photos là où il a milité dans son mouvement sapologique. C'est en France qu'il est allé se faire un sapeur. Norba, c'est un parent d'en face. Nous ne parlons pas mal des quinois, mais il faut reconnaître que c'est un quinois d'en face. Vous vous comprenez? Innocent à Magamba SAP. La SAP, c'est les Congolais de Brazzaville qui ont commencé avec ce combat-là. Okay. Mais ceux qui ont composé, chanté même l'une des plus grandes chansons de la SAP, c'est les frères d'en face qui sont les Quinois, comme les Matébou, les derniers coups de sifflet. Vous comprenez? Donc, à mon niveau, je pense que c'est nul et non à venir par rapport à ce que lui, il vient de raconter. Dans les années 2004, Héritier de Neskinze était parmi les meilleurs sapeurs en Afrique centrale, je ne parle pas du Congo, qui ont été reconnus dans un grand mensuel francophone international. Je suis un livre de Djibril Cissé, Naomi Campbell, Naomi Campbell, Zinedine Zidane. Je peux te montrer les preuves. Le livre est là avec nous.
Afrique Magazine, le mensuel francophone vendu partout dans le monde entier. 2004, bah archive en gros. En 2004, non, bah zote gangombe, nazando commission. Azoka tangombe carton. En 2004, non, bah n'était pas un sapeur, il était qu'un maquilleur. Azalegi n'ayant complicité, n'aba termovat, bah mekako, bah bloga n'engona. Donc vous ne pouvez pas comparer quelqu'un qui a commencé la sable très tôt, dans les années 1996, à quelqu'un qui est allé commencer la sape en France, c'est là. Je fais partir dans les annales. Héritier de Neskens très jeune. Héritier de Neskens très jeune, wow. 2004. Si réellement il est homosexuel comme Norba ou c'est un fanatique. Mais vous la faites pas, on va vous prendre ça, on va vous prendre ça, on va vous mettre ça. C'est un fanatique de Norba qui n'a qu'à d'abord demander à Norba d'envoyer les images qui datent dans les années lointaines, héritier de Neskens, parmi les premiers sapeurs. Le capitaine, c'est le PDG de Johnny Ananou. Et par la vie, c'est Zalaka Boyer. C'est bien moi, Marina, la déesse, la chanteuse de ta. Et Merline Kiamesso, la chroniqueuse. Donc, on a bien dit que nous sommes tous télé arrêt conteneur chez le PDG Johnny Ananou. Vous avez besoin de passer un moment de divertissement entre amis, en couple ou seul? Le PDG Johnny Ananou met à votre disposition un espace approprié, le Crap Hotel, dans lequel on trouve le bar-terrasse aéré naturellement pour se détendre, une boîte de nuit riche en amusement, en attractions, en plaisir, et un hôtel digne de repos et séjour. En cas de coupure d'électricité, un groupe électrogène démarre automatiquement pour prendre la relève. Une seule adresse, arrêt container à Kintélé. Pour plus de précisions, contactez le Crap Hotel au plus 242 05 685 49 35 ou encore au plus 242 06 692 00 26. Le Crap Hotel, la vie en mieux. Au 21e siècle, il faut qu'il y ait des preuves pragmatiques que j'ai été toujours dans mon combat vestimentaire. En 2004, héritier de Neskens est parmi les premiers sapeurs qui ont été reconnus dans un grand mensuel francophone international. Vendu partout dans le monde entier. Confirmé par Ziad l'Imam. 2004, les archives sont là. Moundele Achanga livre Mogonaba Djibril Sissé. Yangoyo, très jeune. En 2004, livre Mogonaba Djibril Sissé, bah Naomi Campbell, bah elle hommage président gabonais, que son âme repose en paix. Ozoyo kangai, bah tchanga livre Mogonaba Cédar Senghor. Héritier de Neskens. Ozo ampo niango ba Charlize Theron, Madiba, l'actrice sud-africaine. Donc moi je parle avec des preuves. C'est pas de recevoir quelqu'un qui est inapte des arguments dans l'argumentation, comme Kevin de Bordas ou de Bordeaux, et à ce moment-là, il veut parloter sur des choses qu'il ne maîtrise pas. Si réellement il a les compétences d'un communicant, je peux le lancer un défi sur un plateau de télévision. D'où chacun de nous ramènera sa montre intellectuelle liée à la culture générale. C'est là où il comprendra qu'il est en face d'un animal communicant, un caïman de la communication. Mesdames et messieurs, le défi a été lancé. Hérité de Neskens a lancé défi contre Kevin Desperado. Plateau, débat contradictoire. Restez connectés. Voilà. Hérité de Neskens, Kolanda, Kevin Desperado, Alobi, Atikala Koyokate. Rougarouga n'a pas de mon gang que Batubati Kalaval en a concert à Sigakal. Alors que les images ont totalement prouvé que Rougarouga a l'obaki en gona batunion sur Bati Kalawana. Tant aux mona bongo, yo c'est le yo aux okanisanini. Mais raison pour laquelle je vous ai dit, je ne sais pas comment il côtoie
l'impoli de Sega Karl. Si réellement il était sur place là où il y a eu ce concert, Roga a bien dit, il a dit, il a demandé au public que Bokende était aux Alipena Sega Karl là. Parce que Roga s'est senti aussi en danger, comment c'est un lion de la musique du Congo. C'est un leader public, wana et aux Alana, pour Satan Moussous, il est accompagné à Kende Kota dans la voiture. Il y a à faire passer un message. Mais c'est assez grave de revoir si réellement il pèse, ou il a le gaz, ou il a le buzz, pour que ce public-là continue à regarder ou à écouter sa sale musique, sa petite musique. C'est pas une sale musique. Quand même. Mais effectivement, musique au petit, on a une bagasse à la veuve. Ah non. Et c'est la veuve, justement pas. Attends. Donc, Moutoulou a mimine de loup. Si on suit à mon mieux, tu es bien à l'école. En attendant, vraiment, tu as ce grand calme dans la voiture. Baroumba, école primaire. On va passer à un autre truc. Il y a une autre chose qui a eu là-bas. On a dit Monsieur Charlemagne Mayassi était à l'organisation. C'est lui qui a donné tous les programmes. Mais il y a quelque chose qui cloche un peu. Comment Sega Karl doit viser Roga alors qu'à l'organisation c'était Monsieur Charlemagne Mayassi? Bon, en passant d'abord, je salue Charlemagne Mayassi parce que c'est un ami de l'école. On a grandi ensemble, on a fréquenté ensemble. Il a commencé ce combat dans ce milieu très tôt. D'où il disait toujours à l'école que mon frère, un jour je deviendrai un manager. Bon, Charlemagne Mayassi n'a rien à voir aussi avec ce que Sega Karl a pensé. Qu'il tente de critiquer ou d'invectiver Charlemagne Mayassi. Mais ce n'est pas ça le fond. Le fond, Sega doit comprendre qu'il n'est pas encore arrivé à un niveau de convaincre le public, mon frère. Et ça n'a pas été mis sur le ténard, le filou, le bazar. Et ça n'a pas été mis sur le télé. Il ne faut pas blaguer. Et à la Charlemagne, à l'Obaki ou à l'Obakité, le problème est que le petit n'est pas sage de nature. Il n'est pas sage de nature. Sora Zalara mécanicien qui a fait couler le moteur. Il y a une voiture. Il y a un vieux sage qui est vieux Kevin Desperado. Non, mais Kevin, quand il parle, tu sens qu'il n'est pas sage. C'est quelqu'un qui n'a jamais approfondi la lecture. Je ne sais pas si on a dit qu'il faut écouter même le livre de Nostradamus Kuna. Tu sais, Dalai Lama, qui est le guide spirituel des bouddhistes, disait ceci: si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Mais en regardant tout ce que Desperado fait auprès du petit Sega, c'est le jour et la nuit. C'est le satanisme amical. C'est un artiste musicien jeune que tu es. Tu ne peux pas avoir un papa comme ça auprès de vous, autour de vous. Il va t'apporter quoi? Il a aussi des amis. Suivez. C'est pas la politique. C'est pas la politique là où on a besoin de sages. Sassou a toujours besoin de sages. Même un jeune ministre a toujours besoin de sages. Dans la musique, si vous voulez côtoyer les sages, tu dois chercher ceux qui ont commencé, ceux qui ont vécu avant vous, qui sont dans le milieu musical. Tu es musicien, des problèmes de la musique, tu dois aller chercher un ancien musicien. Donc, voilà, tu comprends? Et là, comme nous sommes dans le monde, autant que nous avons invité à notre émission, il faut qu'on évalue. Il faut évaluer comment? Il faut qu'on évalue que d'abord invité. Il y a un âge. Quand tu sais que tu es préparé au Rolegane Mission, au Royaume au Koso, la qu'il était en pleine émission, ça prouve que d'abord tu n'es pas en bonne santé, tu as été seulement envoyé par un humoriste. Vous comprenez? Mais il ne faut. Non. Quand tu sais que Zana Koso Koso Nayo, Luka d'abord au se faire sonner, au se traiter après au Rolegane Mission. Déjà que Koso la au Azale au Koso la on a donc Makambo au top. Et au Tana di boum. Il n'est pas en bonne santé. Il doit aller d'abord se faire soigner. Je l'ai lancé un défi. Débat contradictoire sur votre plateau de télévision. Et puis, live, il y a ce grand Karl Wane Zaka Poiso préparé Nzembo. Il veut faire le buzz à travers le nom d'une grande image de la musique qui est notre l'armée. Extra musique à Zangoulou, de Roga Roga.
c'est juste pour faire le buzz. Mais foyer baronko live voit Nzemboana et comme il lokama na niveau moko Dieu ne pourrait pas comprendre. Et comme il lokama parce que ça, regarde, on a vu des faillites quand ils ont quitté les Kofi batikala ko finga kofité. Batikala ko lobela Kofi mabété. Tous ceux qui ont quitté ou qui ont commencé la musique batikali ko finga ba vienna bangote. Les lots sont comme la musique et à faire rigoler autres tengama c'est parce que akota kan étape à critiquer Werason. A fingaka Werason a salele ekutu Nzembo o ya zo mutu moko lo wa sozia Wera a tchaye na clip. Faire les lots faut reconnaître que il avait osé à Salara Bouzoba. Les lots, on a lundi, ils ont reconnu que le petit là, monsieur Héritier a raison que non, c'est un mal né de la nature. A fingapé Duduko, papa, image, il faut que tu aies une image. Nous avons une image pour que tu comprennes que Bino, chroniqueur, vous êtes au centre du village, vous êtes au bien. Que vient de Pardo cela quand il vient dire que Sengi, ce qui est leader, Nabino Moro Moraye, Abatchaye, je pense que mon frère Kevin Depardos a un sérieux problème. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons des gens qui ont fait un succès mondial comme les Yusundur, un autodidacte qui n'a pas fait de longues études. Mais à la fin, il était devenu le ministre de la Culture et des Arts au Sénégal. Un Junior Bush W, un autodidacte, il était devenu le président de la République aux États-Unis. Si réellement le petit Segra Karl mérite une intelligentsia par rapport aux autres, je pense qu'il devait déjà avoir les trophées très tôt. Le petit a quel trophée international? Il a déjà reçu quel trophée même au Sénégal? Mais il vient de jouer des concerts. Tu comprends? Il a été invité là-bas. Il a été où? Il a été invité là-bas. Festival. L'invitation. Regarde, on peut t'inviter. Na festival à mon néné, mais trophée ni ma pécio. Ma décoro yo wapi. Arrête les histoires d'être invité, ça c'est des petits trucs. Moi je parle de ce que Desperado devrait venir dire à la télé. En 2015, c'est Grand Karl, Azuagi trophée. En 2016, Azuagi trophée. Il n'a pas défendu le petit. Il est juste venu pour encourager la rêvasserie. Bana Braza. Match est bien. Vous comprenez? Match est bien. Événement Zagara Moko. Il y a grand maître de tout le temps. Votre bijou, votre diamant de la musique, l'artiste musicien Roga Roga va se produire à la corniche, au bord du fleuve, le 4 septembre, Boyagobele, sur l'appui de MGN Congo, parmi les réseaux les plus fiables en Afrique. Vous comprenez? Boyagobele, vive grand prêtre Nabino. Il y a Tongo. Il y a Banda Musique. Tongo. Oh, si le musique en Zimelae, Atikali va forcer musique na vie na été. Le 4 venait au bord du fleuve à la corniche pour vivre toujours la bonne musique. La musique de l'impact, la musique que vous avez toujours consommée, vous les Congolais. C'est voilà des choses qu'il faut annoncer. Ne venons pas sur vos plateaux pour parler des choses où peut-être demain après demain, ça sera mal prise, mal jugé par les internautes ou par les téléspectateurs. Donc je pense que monsieur Kevin Debordas, ce qui Debordas, il est déjà à la limite de l'humanité. Ce qu'on appelle en bon français la schizophrénie. Vous comprenez? Il est à la perte du contact avec la réalité. Il n'a pas dégagé ce que les gens attendaient en lui. Alors, le concert va se jouer le 4. Le 4 septembre. Quelles sont les stratégies que vous avez arrêtées pour que, pour qu'il y ait vraiment tout en place? Bon, moi je pense qu'il y aura un monde fou. Là où les gens sont déjà au courant que Roga sera là, c'est tout Brazzaville qui sera là. Et on a battu nous sous Bagoya car tant au Bagouti Banganga Longolo, au Bagouti on a souka Gintele, Bakarate tu Rosalawana. Donc les précautions ont été prises, les dispositions ont été prises, mais c'est des choses qu'on ne peut pas aussi d'abord dévoiler à la télé ici comme ça. Alors que ce Rosa Mizisa Mukio Muna Gano Gindoki, Kolugato ya Galisusu Matana Pojob. Après, Rogasoga et Ekomote, Rogasalio Mabe. Pendant ce temps, Moutalobi n'a public bien beau vendre calme. C'est grand calme à Zomata. Et Moutanemoana, Oil, Susrolobele, Mabe na live now. Ça, c'est pas de la polémique musicale. Le petit est devenu comme un poisson dans un aquarium. Il doit se demander s'il est en liberté ou en captivité. Qui n'a qu'à garder ce que je viens d'invoquer ici-là.
Voilà, maman Kila de Mputu Bilamba, c'est quoi maman en quatrième moment d'Adrice Manana, Boza et Belé, Boza vraiment et Belé, vous soutenez la graphique comme une télévision. Donc désormais, bah, émission, vous avez analyse, ah, on a hérité de Neskens, analyse, monsieur, c'est Belé, bah, ah, ouais, et vous avez la peine, mais la meilleure des choses de faire, c'est seulement de vous abonner. Abonnez-vous massivement, massivement. Et quand vous suivez l'émission, faites un effort de la partager aux autres, à vos proches surtout, et vous avez la peine, et l'eau, moi, qui toque au macas, qui toque au macas, qui toque au macas. Hérité de Neskens, vous avez dit que Rokaro Gaza va baser Belé. Bas on appelle le bazo talayo bazai vraiment ébélé 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 bah Ivo Maïcha Bazali na base d'avant on va parlementaire banane banane mais non message ni non lancer bongo pour que hein événement ou les 4 ils ont appelé peut ça peine ma kamuna ndenge non bon moi je pense que les Kambo et Tali ba base il y a grand prêtre Roga c'est des gens qui sont bien formés, c'est des communicants de la première heure, Baza en retardé, c'est des gens qui font bien leur boulot, stratégiquement ils sont en train de se préparer pour jouer de la bonne musique, pour faire plaisir à M-Chain, c'est pour booster aussi aux autres qui sont en train de nager à travers les réseaux, Bakoukapé pour rejoindre M-Chain. Vous comprenez? Mais j'en profite aussi de reconnaître la grandeur à distance, un héros dans l'ombre qu'est Desté Osengue. Monsieur Desté Osengue, PDG à vie, je vous salue en passant. Je reconnais votre côté de bonté, votre côté de clément, éligible. Je pense que si vous continuez toujours à soutenir les mouvements étatiques, les corporations musicales étatiques de notre pays, Nzambakouti Kaoté. Hein? Celui qui sème, il finit toujours par récolter. Maintenant, si nous constatons que les petits deviennent des impolis, je pense que s'il faut utiliser la chicote musicale, nous allons utiliser la chicote musicale. Nazalagana kanda mingi yaba zoba na mokili. Nazalagana kanda mingi yaba complexé. Nazalagana kanda mingi yaba homosexuel. Parce que la majorité des homosexuels sont jaloux, sont complexés des autres. Et ça n'a pas si heureux moko, comme on a moins à moukie. Oyo gaebi que moutou aza papa et pas na yena makambo belé. Ayako lo baba makambo oyo. Azo maîtrisé et ça n'a niveau n'a été. Mais Christelle Maswaku, n'a yé la guiope moi cadeau moko. Surtout à bateau tout le baga. Kili kilite. Mais pour ça le plaisir en tant que grand sapeur, renommé dans ce pays, plusieurs fois reconnu par Papa Wemba, Naelio pièce il y a Versace. Versace Amo Naelio, c'est ton numéro. Waouh, merci beaucoup, hérité de Neskens. Les Zanda Potopotote. Les Zanda Potopotote. Et si Gaba, tu es un peu plus pour nous refaire comprendre. Et Nakane Ango depuis Kala. Dernière mon émission na au lobaki que non ezana ba Kenzo na proposa ki na prometa ki yo mais na monaki ba Kenzo ezaba niveau moko mukie mais comme ngana zana de lamba ko longwa ti même lumbumbashi donc o ezali botte na pension non portée botte na pension non portée merci vraiment yango yo c'est bien griffé yango yo c'est bien griffé on dirait kili Yangoyo, c'est bien griffé. Botte y a glacé Yangoyo. Tu es un frère Christelle Maswaku. Manaza muto te ko ya mangana émission na yo. O tie ba bouteille de champagne, ba tie le ba bouteille de champagne, ba lemi ko fongolo ata champagne du début jusqu'à la fin. Alors, ça be erreur moko grave. Donc, en tant que grand prêtre de Ligo Nzinga, to banda ba makambo tongo. Ce temps ba papa ou ba bazole la ba héritier de Neskens na Brazzaville. Ba noro ba bazala kati. Vous comprendre? Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Où c'est le poisson, où c'est la viande. Hein? Tout mélanger, va plus de l'autre côté. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci pour le cadeau. Et ça, il y a un plaisir. Waouh. Et ça, il y a un numéro 43. Il y a un numéro. Très bien. Ah, en tout cas, merci beaucoup. Merci vraiment. Merci à Christian. Au prouvé, hein? Au prouvé, Pena. Au prouvé, Pena. Donc, ça, c'est. C'est pas il a pour te ouais 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 surtout à bateau tu bimine école la monnaie ya ba grand prêtre le rôle à Edouard Ngwe tu bimana ba école ya ba dada pourri tu bimana ba école ya ba noko vous comprendre et en passant j'en profite aussi de saluer mon frère Levan Valente le tigre de la presse écrite un guerrier à vie de Roga en tout cas félicitations sans oublier Osiris Akobo na bossani pété maître digital Maître digital. Maestro.
Maître digital et le coffre souga de peur côté Paris selon ses quotas. Bateau va retomber la mabedo nganga ba kima ba panzana. Donc profitez les sous pour reconnaître force et l'aigle de l'Amazonie Freddy Makita. Je Yvon Gomez aux États-Unis, au Canada, na bosani staff nangate Willy Willizano, na bosani les sous souté à Zagor Matoko Motopamba. On a staff nanga Canada. Israël Guilaine, c'est l'étape suprême, toi aussi. Israël Guilaine, la terre promise. Tobosani pété, Sengeli pété, Pesaraye Pembote. Pour Aloban, on a donné 15. Moi, je te suis beaucoup. Mais tu m'as jamais dédicacé. C'est quoi ça? Toi, tu penses que nous, on n'a pas besoin de vos dédicaces là? Ça nous fait du bien. On reconnaît que dans tous les milieux, nous avons aussi des communicants, des sapeurs, des renommés. Mon général Jean-François Ndengue. Mon général, voilà. Jean-François Ndengue. Beaucoup de respect. On a vu un héritier de Nesquens. On a vu à Kachi. Nous avons un enfant là-bas. Mon général. Respect. En tout cas, il y a pas ça la blague. Il y a coup KO. Très bien. Mon général, plein d'avenir. Très bien. Voilà. Mais il y a ça que vint de Pardos. Ma petite naïe, au bas âge, mon côté le lobaromi, ma général. La petite oba Ajmogo n'a été le lobagomi ba ministre. Vous comprenez? Et pour son information, quand tu parles de l'Europe, moi je suis quelqu'un qui a grandi dans une famille des administrateurs. Vous comprenez? J'ai vécu aux États-Unis pendant 3 mois dans les années 1991. La prochaine émission, j'emmènerai les photos. La prochaine émission, j'emmènerai les photos. Déjà été aux États-Unis. Pendant 3 mois, ma maman, elle était attachée de l'ambassade du Congo aux États-Unis. Boubou Nadine, allez-y dans les annales. 91, pendant la conférence nationale, ma maman est venue me prendre pour m'emmener aux États-Unis. Et aux Zonginaï. Aux Oganga, na Kenana Sabena. On a fait Paris, 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 Roissy, Roissy. États-Unis, mais n'attique à la coquitaté. Donc, si il est en retard, alors belle la rapporte. Et puis, dans le milieu où je suis, j'ai la facilité d'aller en Europe et revenir parce que je suis quand même le patron d'une société. Très bien. Donc, ne venez pas raconter des choses ici-là. Voilà. Je suis quelqu'un qui est derrière les marches aussi. Donc, je ne suis pas un vagabond. Je ne suis pas quelqu'un âgé, dépassé, angoissé par plusieurs problèmes de la vie comme Kevin pour venir relater des choses négatives sur votre plateau. Ce que je veux en lui, qu'il y ait un débat contradictoire. C'est là où je veux lui parler de Nostradamus. Très bien. Hein? Voilà, j'irai en France juste pour aller visiter là où on avait placé la couronne d'épines que Jésus avait porté à Jérusalem. Parce qu'à l'heure où nous parlons, cette couronne se trouve à la Notre Rosaire de la France. Notre-Dame de Rosaire de la France. C'est le deuxième endroit le plus visité en France après la Tour Eiffel. Moi, en tant que chrétien de confession, mon plus grand souci, il n'y a que deux pays d'où je dois dormir là-bas et visiter. C'est d'aller en Israël en tant que chrétien de confession. On se comprend. Et arrivant en France pour aller visiter la couronne d'épines qu'on avait fait porter Jésus-Christ de Nazareth à Jérusalem. Cette couronne d'épines, à l'heure où nous parlons, se trouve en France, précisément à la Notre-Dame de Rosaire. La Notre-Dame de Rosaire, c'est le deuxième endroit le plus visité après la Tour Eiffel en France. Voilà ma rêvasserie qui sera réalisée dans les jours à venir. Voilà. Moi, je n'irai pas en France, c'est pour aller faire encore ce que les gens ont déjà fait, voilà. Parce que c'est pas ma vision. Je venais de le dire. Je suis quand même ambitieux. Mes ambitions ne me permettent pas d'aller vivre en France. Ça, c'est reconnu de tout le monde. Voilà. Parce que je suis dans un milieu où qui pèse. Tu vas gagner des potos chaque semaine. Très bien. Ah oui. Voilà. Donc, merci beaucoup, Héritier Nesquens. Je crois que tu vas aussi sur le prochain numéro. Il faut tout à peine sur place dans la corniche. Hein. Tout à peine côté conseil, Robetama. Donc voilà, et ça la peine à bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Restez connectés sur Afrique Unie Télévision. Parlons de la réalité. Voilà. Pour le bel sous ma gamboa, si ma wanate, l'avancement d'un musicien. Toi avancer. C'est donc la fin de cette émission. Je ne sais pas si tu as un autre mot à ajouter parce que tu es tout clôturé. Non, mais moi, Asuke Zalika, moi je viens de le dire. S'il faut qu'il y ait un débat contradictoire, je suis prêt à le faire. Très bien. Donc, si.
une fois que je vois que c'est de la basse classe, j'ai toute une équipe aussi de communicants comme les Dodo Dikarmane qui peuvent aussi venir intervenir, qui est Rogaïste Yamakila. Est-ce que la communication, là, c'est une école pour vous? Ou comment? Parce que vous avez une équipe. Vous avez une école, peut-être. Oui, mais on se forme en communication. On se forme. Très bien. On se forme. Voilà. On se forme. Il faut avoir du flair. Quand tu n'as pas du flair, tu ne peux pas être un communicant. Très bien. Tu ne peux pas être un communicant. Flair et Zali sont d'abord Yamayele. Sogozan, à mon avis, tu es déjà incontournable dans la communication. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Restez connectés sur Fréquence Une Télévision. Merci à Chris Lacheva, donc, Bissika Obango Batouayam Bibisou. Merci beaucoup à Carmela Ondongo. Bon, on va passer à l'île que tous à la peine à Awa. Restez connectés sur Fréquence Une Télévision. Je ne cesse de vous dire de vous abonner. Abonnez-vous massivement pour que prochainement, vous avez une émission à Bissouté, vous avez une news à l'Ekongoté, vous avez une news à l'Irité Neskesté, vous avez une news à Ndoule à Bissouté. Voilà. Du reste, portez-vous bien. Merci à celui qu'on appelle le boss Ben Moudouma, 6 fois boss. Très puissant. Très puissant. L'homme qui a sauté l'égoïsme. Merci beaucoup à. Au vieux Freddy Makita, en tout cas, Maramo Sali vieux et Sali Pena qui tourne Makasi et permettre de Christelle Lelo Azala Pena bien Makasi. Merci beaucoup. Na maman Kila de Poutou Bilama, c'est quoi? Maman Louise Batanzoni, maman Anka Diane, maman d'Andris Manana. Kila de Poutou. Voilà, une femme d'affaires, une dame de fer. Ouais. Et contribue aussi à l'émergence de notre culture. Kila de Poutou. Très bien. Kobo Sanate. Voilà, Kobo Sanate. Kobo Sanate, Kila de Poutou. C'est l'étape suprême aussi. Qui la des poutous, maman m'a même au à la play directement tout le monde appelle Mbala Moko, maman Israël Guylaine, maman Guylaine, la nouvelle terre promise. Voilà, Israël Guylaine, PDG d'Estée au Sengé, Voilà, merci beaucoup, Nayo, PDG d'Estée au Sengé, et puis merci beaucoup, Navio Nabiso Nangamo, il y a États-Unis. Voilà tout le monde, Navio Nabiso Yvon Gomez. Ah, vieux, merci beaucoup. Assalam Nabino. Assalam Nabino. Vous êtes vraiment là pour soutenir nos émissions. Merci. Nous aussi, on peut vous soutenir à travers les dédicaces. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait partie aussi de l'une des plus grandes puissances de l'être humain. C'est ça. Je dis que nous sommes à Somba, à Djamon, Misusu. C'est parce que nous sommes à Bakombo. Je dis que nous sommes à Monena, à Banga. Nous sommes à Kele, à Monite, à Djamon, à Ngaï, à Mouchimai. Nous sommes à Kele, nous sommes à Kele, nous sommes à Kele. Mais le rôle à combo n'a été qu'un arrêt déjà sans mot et c'est un gars que bâton au baron à l'ibanga. Voilà, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Au revoir, Africa Unie Télévision. Une longueur d'avance, Christelle Massocre. Christelle Massocre. Africa Unie Télévision. Une longueur d'avance, Christelle Massocre. Christelle Massocre Lelay. Africa Unie Télévision. Christelle Massocre Lelay. Christelle Massocre Lelay. Africa Unie Télévision. Longueur d'avance. Christelle Massocre Lelay. Vitesse. Christelle Massocre.